Dans cette vidéo de Planète Animal, nous vous révélons 10 choses que les chats n'aiment pas chez les humains. C'est parti! Qu'on les baigne. La plupart des chats détestent le contact avec l'eau. Selon les experts, la genèse du chat en tant qu'espèce dans les zones désertiques en Afrique a gravé ce rejet dans son ADN. En raison de ces normes d'hygiène strictes, il n'est généralement pas nécessaire de baigner un chat, sauf s'il est très sale ou risque de s'empoisonner en étant imprégné de substances toxiques. 2. Odeur forte. Les chats les détestent car leur odorat est très sensible. En fait, c'est leur sens inné grâce auquel ils recueillent des informations précieuses pour décider comment agir et préserver leur intégrité. Grâce aux phéromones, ils communiquent entre eux et reconnaissent les membres de leur cercle de confiance. Ainsi, l'odeur de l'eau de Javel, du tabac, des agrumes de l'ail de la rue, de l'eucalyptus ou des parfums intenses leur est désagréable. Découvrez quelles sont les odeurs que les chats détestent dans la vidéo ci-après. 3. Bruit. Les races de chats telles que le persan, le chartreux ou le simric sont particulièrement sensibles au bruit produit par les tempêtes ou le jeu chez les enfants. Les chats ont une ouïe plus forte que les chiens. Par conséquent, il est facile de comprendre pourquoi ils craignent le bruit. Obligés de l'écouter, ils n'hésiteront pas à se réfugier dans un lieu qu'ils jugent sûr pour préserver leur intégrité et reprendre le contrôle. 4. Un bac à litière sale. Les chats sont des animaux extrêmement propres. Si vous avez un chat, vous saurez à quel point il est important pour lui que son aire de jeu soit propre et plus encore, que son bac à litière soit toujours impeccable. Sinon, il va préférer faire ses besoins ailleurs. Essayez donc de ne pas changer le sable de son bac à litière brusquement ou de ne pas placer le bac à litière près de la mangeoire ou dans une zone bondée. 5. Qu'on les prenne dans nos bras. L'abdomen est une zone particulièrement vulnérable de son anatomie car il contient des organes vitaux tandis que les extrémités qui n'ont pas de soutien augmentent leur inconfort et leur sentiment de vulnérabilité. Nous les humains, nous avons besoin d'exprimer nos sentiments par le contact physique. Pour les chats, le contact physique est une forme de subordination ou de domination. Pour cette raison, ils ne se laisseront caresser que lorsqu'ils le voudront eux, et non à chaque fois que vous les dérangerez. 6. Les bisous. Les êtres humains ont l'habitude de démontrer leur affection par des bisous, évidemment. Mais sérieusement, un chat, ça ne fait pas de bisous. En tout cas, il ne le perçoit pas de la même manière, en partie parce que notre salive dégage une odeur qu'il n'aime pas. C'est la principale raison pour laquelle les chats n'aiment pas la salive humaine. Il est fréquent qu'ils se lèchent au contact de celle-ci pour récupérer son odeur particulière. Nous vous en disons plus sur le sujet dans cette vidéo. 7. Changement de routine. Les chats sont des animaux extrêmement routiniers. Maintenir le statu quo et savoir qui contrôle ce qui se passe autour d'eux leur procure sécurité et bien-être. Ainsi, tout événement qui modifie leurs horaires et leurs habitudes sera rejeté par eux. 8. Les portes verrouillées. Bien qu'il y ait toujours des différences dans leur tempérament et leur formation en général, leur curiosité innée les amène à vouloir fouiner et explorer tout ce à quoi ils ont accès. Par conséquent, surtout si vous avez pu entrer avant, il ne sera pas bon pour vous de laisser la porte de votre chambre fermée par exemple. Il vous le fera savoir par un long miaulement aigu. 9. Devoir prendre des médicaments. Devoir se rendre à la clinique vétérinaire pour se faire vacciner ou subir un examen, ainsi que prendre des médicaments sont des choses que les chats détestent et n'essaient pas de cacher. Le trajet en voiture, l'odeur de la clinique et le reste des stimuli implicites dans ces situations les forcent à sortir de leur zone de confort et génèrent de la nervosité ou de l'agitation. 10. Nourriture froide. Dans leur habitat naturel, les chats sont habitués à manger leur proie à température moyenne. Bien qu'ils vivent avec nous depuis des siècles et n'aient pas besoin de chasser pour survivre, leur ADN leur rappelle encore leur origine et leur fait préférer les aliments chauds au froid. Qui plus est, la nourriture chaude est plus facile à digérer et est vraiment appétissante. Maintenant que vous savez ce que les chats n'aiment pas, vous pouvez les éviter pour ne pas les déranger. Mais attention, le numéro 9 est indispensable pour leur santé. Si vous voulez en savoir davantage sur le comportement des chats, ne manquez pas la liste de vidéos que nous vous laissons ici. Et vous, saviez-vous déjà que les chats détestent toutes ces choses? À très bientôt sur Planète Animal.